Callot. Non. Marcel. Marcel Callot est un jeune jossiste, un jeune qui appartenait au mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne. C'est avant toute chose un jeune rennais, un jeune engagé dans son travail, mais aussi au sein de la JOC. Marcel Callot, c'est un amoureux, parce qu'il est fiancé à Marguerite. Marcel Callot, c'est quelqu'un qui est proche de sa famille, qui aide, qui fait partie des aînés. C'était un jeune, joyeux et un ami. Voilà, c'est devenu un ami. Il a perdu sa sœur lors d'un bombardement à Rennes. Le lendemain, il a appris qu'il était amené à partir au service du travail obligatoire en Allemagne. Et une fois arrivé en Allemagne, il n'a eu de cesse de continuer à faire ce qu'il faisait à Rennes, à savoir organiser des réunions entre chrétiens pour prier, pour méditer l'Évangile et pour s'interroger aussi sur les conditions de vie de chacun. Le problème, c'est qu'à partir du mois de décembre 1943, les nazis décident d'interdire le type de réunion que Marcel Callot organisait. Il a par la suite été arrêté après un temps en prison. Il a été déporté dans un des camps de la mort à Mauthausen. Et il est décédé là-bas. Je ne connaissais pas du tout Marcel Callot. Donc ces jeunes comédiens en fait, ont été assez rapidement touchés par son histoire, par son message. Et pour autant, je le souligne, ils viennent tous d'horizons très différents. Nous, on vit avec un peu, pas vraiment la peur d'une troisième guerre mondiale ou tout ça, mais en tout cas, on sait qu'avec le climat, tous les enjeux actuels, il y a un risque. Un sentiment en fait, d'avenir qui est un peu hypothéqué. On s'est dit, finalement, parler à des jeunes qui ont peu de perspectives d'avenir, est-ce que ça ne nous rappellerait pas un petit peu le cas de Marcel Callot qui lui-même était dans un système dans lequel les perspectives d'avenir étaient absolument inexistantes, quoi. À 12 ans, 13 ans, 14 ans, il voit qu'il y a des injustices qui sont commises avec son collègue de travail. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va se dresser avec son autorité morale de gamin de 14-15 ans qui fait que les adultes s'inclinent devant lui. Marcel Callot, c'est au final un jeune lambda. C'est quelqu'un comme tout le monde. Marcel Callot est un prophète hier qui peut encourager les prophètes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui se disent « Je ne vais pas me battre sur les grandes idées, je vais me battre sur la justice concrète dans la situation de vie où je vis avec mes collègues de travail. »